tu connais l'Aveyron, évidemment, pour des raisons purement familiales. Mais j'ai vécu 20 ans ici. Hein. Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui, si tu veux, quel est le regard du gars du très haut niveau de foot qui regarde ça c'est quoi ta façon de voir ça? Ma façon de voir? Ouais, comment tu le ressens ça? C'est que je viens d'ici. Tout simplement, c'est un gamin qui a évolué dans un super environnement, avec des éducateurs. J'ai rappelé ça il y a peu dans une intervention entre, d'intervenir entre le formateur et l'entraîneur. Et avant tout, je leur ai dit, ben, je viens de rencontres de personnes. Et je pensais à mon instituteur qui m'a, comment dirais-je, qui avait déjà tout compris des cycles scolaires. Et l'après-midi, au lieu de nous faire bosser, il nous faisait jouer au football. Ça, c'était quand même super. Après, j'ai un censeur à Villefranche-de-Rouergue qui adorait le sport. Et le sport passait avant. C'était un moyen d'éducation. Donc, je veux dire, ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué. Donc, après, bon, bien sûr, j'ai eu l'évolution footballistique que petit Aveyronnais avait. Et donc, ça fait partie de ma construction. Et j'espère que effectivement, ce qu'ils sont en train de mettre en place, effectivement, va faire vivre le football mieux dans l'Aveyron, mais aussi faire émerger un ou deux gamins. Et voilà, ça fait partie de... L'élite vient que de là. Bon, il y a effectivement une masse, et il y a le jeu. Et je pense que de dissocier justement l'animation, la compétition et l'élite, c'est déjà une démarche pour nous. Moi, quand je suis arrivé... Ça m'a un petit peu, qui vient du haut niveau, ça m'a un peu choqué. J'ai dit, pour moi, tout est la compétition. Ouais. Puis en réfléchissant, en disant, non, en fait, il y en a qui ont envie de faire du football pour se faire plaisir. Ils ont le droit aussi d'exister, de vivre. Bon, voilà, et tout ça fait qu'on peut vivre ensemble. Je pense au futsal aussi, qui est un moyen de, par exemple, dans l'école ou même dans qui est un moyen extraordinaire du jeu. Quand on sait que combien de joueurs... De grands joueurs viennent de ce milieu-là, notamment au Brésil, l'Amérique du Sud, l'Espagne. Nous, c'est pareil. Moi, j'avais un très bon joueur à Monaco, il s'appelait Néné, bon, il vient de là. Après, bon, il y a le football féminin. En arrivant à la DTL, j'ai pris plein la tête. C'est vrai, je découvrais, honnêtement. Et il y a des entraînements qui sont faits, notamment pour l'entraînement des stagiaires, pour l'évaluation, ainsi de suite. Ce sont des groupes féminins. Quand on les voit travailler, on se dit, c'est du bonheur. Franchement, c'est du football. C'est beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Tout un tas de choses. Et on fait vivre le football. Je pense que, pour moi, le football est un moyen d'éducation qu'on n'utilise pas en France. Pas suffisamment. Et j'ai d'ailleurs... Comment dirais-je, il y a des études qui ont été faites dans les pays anglo-saxons qui estiment que c'est le sport le plus adapté à justement à l'éducation, à l'épanouissement de l'enfant. C'est quand même c'est un outil extraordinaire. Et je me dis, oh, bon, voilà, ça rentre dans ce cadre-là. Est-ce que le haut niveau est vraiment coupé de cette base, en fait? Pas tant que ça. Toi, quand tu vivais, tu as l'expérience, je ne sais pas. Mais effectivement. Bon, moi, je viens de là-bas, donc. Mais on vient tous de là. Quand tu réfléchis, on vient tous de là. Ouais. Même si tu. Bon, même le gars, il a 12 ans, il a été repéré et tout, mais il y a quand même des choses qui ont été faites avant. Bon. Après, c'est vrai que le haut niveau, actuellement, on a une image un peu nébuleuse et c'est dommage parce qu'en fait, c'est. Et il faut quoi. Heureusement qu'il y a ce match dont je viens de parler, France-Ukraine, qui redore un petit peu le blason et qui montre la voie dans laquelle on doit aller. Et c'est ça le football, c'est le football qu'on aime tous, quoi. C'est les valeurs que propose le football. Ah, mais je pense que, oui, effectivement, je ne peux pas te dire que nous, on a un œil sur les amateurs et tout. En fait, c'est l'inverse. Mais c'est aussi ça qui fait que le football grandit, c'est que les amateurs, ils ont envie de regarder le football pro avec un regard de bienveillant, mais aussi de vouloir atteindre. Je pense que c'est dans tous les métiers, c'est la même chose.
le football, il n'y échappe pas. Non, mais c'est vrai que le milieu pro, bon, la Coupe de France, ils viennent nous le rappeler, tu vois. Ouais. Non, mais c'est quand même tous les ans. Accessible. Tu les vois avec leur casque, ils sont dans leur univers, ils s'entraînent, ils rentrent chez eux. Si tu me parles du... Moi, je te parle de D1. Tu parles du joueur. Du joueur, si tu parles du joueur de D1. La pression sur les épaules, le président qui veut gagner, les sponsors qui veulent gagner. Sauf que je viens de te dire, je viens de te rappeler, il y a une compétition qui est extraordinaire, c'est la Coupe de France, qui te rappelle tous les ans, qui a déjà 20 heures, et puis qui peut te taper. Et début janvier, donc plus mauvais moment. Et moi, j'adorais ce moment. Même que ça m'est arrivé de prendre de bonnes claques. Bon, mais c'est ça le football. C'est ça le football. Par contre, il ne faut pas aller non plus dans la caricature. C'est-à-dire, on est pour le petit absolument, donc la presse, tout le monde s'y met, quoi. Non, il ne faut pas non plus, quoi. Je veux dire, on est ensemble. On est ensemble. C'est la même famille. Si ce n'est que. Il faut quand même savoir que. Chaque fois, il y a des surprises, et de ces surprises naissent des élévations, des gens qui... vous en avez eu dans l'Aveyron, des gens qui, hop, ça a été... Sauf quand Rodez va jouer à Rennes, ça t'arrange bien quand Rodez va jouer à Rennes. Voilà. C'était mieux qu'à Polignon. Hein. J'ai préféré. Ouais, en plus, si tu veux rappeler ce match-là, je vais te dire comment on a marqué les buts. Vas-y. Est-ce que tu te souviens? Ouais, plus vraiment, au jeu de l'hiver, je m'en rappelle plus trop. On marque sur deux coups de pied arrêté. On marque sur deux coups de pied arrêté, parce que je sais pertinemment que ça va être très compliqué. T'as la tête de mes joueurs, et très très compliqué, surtout les Rennais. Hein. Je te le garantis que c'était... il faut rester humble, toujours... Moi, j'ai toujours eu du respect pour le milieu amateur, parce que je veux dire, j'en venais là, je le savais. Mais... Je veux dire, on sait pertinemment que sur un match, avec la motivation, maintenant les entraîneurs de CFA, de National, voire en dessous, ils voient tous les jours des matchs à la télévision, ils analysent, et tout, ils ont de la compétence. Les joueurs veulent vraiment montrer quelque chose. Toi, dans ton club pro, tu as des joueurs qui veulent, le prennent un peu de. Et puis là, ça se nivelle très vite. Et comme nous, il faut aussi appeler ça, c'est-à-dire le milieu pro a fait beaucoup avancer le milieu amateur, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont formés, ne passent pas en pro, ils viennent renflouer les clubs. Ça a énormément fait évoluer les bons clubs amateurs. Donc tout ça, on voit bien que c'est la même marmite. Donc, et je dirais que donc, j'ai beaucoup respecté et les joueurs m'ont suivi. On a marqué dans des situations sur lesquelles on avait bien analysé le jeu de Rodez. Physiquement, il y avait beaucoup de respect, la humilité, elle est arrivée. Pardon ? Sur le match, il y avait eu une grosse différence physique. Hein. Ouais, quand même, bien sûr, plus fort. Bien sûr. On a mis un protège de pack. Il fallait marquer assez dans des moments chauds, on l'a fait. Et puis après, on l'a respecté. Quoi. Je veux dire, si c'est. Quand on voit ça, en fait, l'actualité est extraordinaire parce qu'il y en a qui sont passés à la glace. Bon, et moi j'ai perdu mon job via ça. Bon, c'est courant, bon, c'est pas grave, mais ça fait partie des choses. Mais ça m'a donné aussi. Pour moi, la Coupe de France, c'est vraiment une compétition merveilleuse. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à la jouer. Alors une question peut-être un peu différente, mais je t'ai sous la main. Qu'est-ce que tu penses de ces clubs qui se qualifient pour les Coupes d'Europe, grand débat en France, et qui ne jouent plus après la Coupe d'Europe, genre Bordeaux cette année ou d'autres? Alors on a le discours, on veut être européen, on est européen, mais on s'en fout. Mais c'est un faux débat. On joue la compétition pour être au meilleur classement possible. Alors effectivement, quand tu es en deuxième division, tu as deux choses à jouer. Le maintien ou la montée, t'es d'accord avec moi? Mais quand tu es en première division, tu as le maintien, tu as le classement parce que financièrement tu sais que ça peut être intéressant, et puis tu as l'Europe et tu as le titre, bon, et plus les coupes, d'accord? On vient d'en parler. Mais l'objectif, effectivement,
D'autant plus maintenant que le titre, ça va être compliqué pour beaucoup d'équipes. Donc, oh, c'est un objectif. Après, tu arrives à l'équipe d'Europe. Et oui, là, tu es sujet. Tu dis au président, dites-moi, président, vous savez, on va avoir 8 matchs il va falloir quand même un effectif un peu plus. Ouais, mais moi, j'ai pas de sous. Hein. Et en plus, il faut qu'on batte le meilleur joueur. Ah, d'accord, bon. Donc, tu es sujet à la partie économique du club. Il faut admettre tout ça, simplement, faut savoir, moi je le dis et je le répète souvent, en France, on est un bon centre de formation pour les pays limitrophes, autant l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, et l'Allemagne. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils ont des moyens colossaux à côté de nous. Voilà, quand tu t'aperçois qu'on a 250 joueurs, même plus, tu sais qu'on est quand même le deuxième pays au monde exportateur de football. C'est-à-dire, les joueurs français hors de nos frontières, c'est ceux qui jouent le plus après le Brésil dans les équipes premières de tous les pays. C'est la Yougoslavie des années 70-80, tu vois. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, tu remets ça sur le débat dont tu parlais, c'est-à-dire la Coupe d'Europe. Être aussi lucide. Tu joues la Coupe d'Europe, ouais, mais tu perds de l'énergie, tu perds des trucs. Moi, sincèrement, j'ai toujours joué. J'ai essayé toujours de la jouer. Bon, mais, bon, tu sais qu'à un moment, tu arrives à Sochaux, tu gagnes contre Dortmund, c'est bien, fantastique, tout le monde est heureux. Tu joues contre l'Inter, tu perds pas, mais tu passes pas. Mais ça te permet aussi, parce que j'ai une intervention à faire là-dessus d'ailleurs. Et ça te permet peut-être, grâce à cette défaite, ça te permet de gagner la Coupe de la Ligue après. Comme Bordeaux l'année dernière, s'ils ne se font pas éliminer au moment où ils se font éliminer, la Coupe de France, je ne suis pas sûr qu'ils puissent la gagner. Parce que tu perds de l'énergie, tu perds beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, tu as ce deal-là. Nous, on aura des clubs actuellement qui vont être performants en Coupe d'Europe. Ce sont les clubs les plus riches comme Paris Saint-Germain, Monaco, c'est évident. Après, c'est de la fatigue, mais c'est de l'expérience aussi, j'imagine. Les matchs exactement. C'est-à-dire, tu prends de l'expérience. De là à mettre une équipe B, non, mais tu peux faire rentrer un ou deux jeunes dans un match. D'ailleurs, comment tu juges le discours de Gilot qui est quand même extrêmement pessimiste? Il a fait l'interview, il a tout été dramatique, enfin, aussi bien pour l'image qu'il a du sportif que pour le club, en disant « bon, j'ai pas d'équipe, donc moi l'UEFA ça m'intéresse pas, le public ne vient pas dans le stade », c'était ses propos. Ça glace quand même un petit peu l'esprit sportif, je sais pas, ouais. Je vais perdre. Francis, je le connais, j'ai travaillé avec lui à quelque part, c'est un peu une caricature du sportif sur ce moment-là. Tu te dis « bon, écoute, Coco, on va faire autre chose, laisse tomber ». Ah, mais il a dit un petit peu ce qui passait sur le moment, mais parce qu'il est un peu en déprime à ce moment-là. Voilà, ah oui, c'est voilà. Mais là, à sa décharge, il faut reconnaître. Si vous jouez. Mais tu peux pas avoir ce discours-là, même. Voilà. Même avant d'être joueur, tu peux pas le faire. Mais même, on peut pas l'avoir par rapport à vous. Bah, même par rapport à ses joueurs. Faut pas dire à tes joueurs, bon, on est au cœur, on va gagner. Et on rentre à la maison. Vis-à-vis de la France aussi, parce que le coup, si on fait l'indice UEFA aussi. Ah, mais là, c'est plus dramatique. Là, c'est le problème. Ça, c'est vrai. Quand Giroud disait, on se foutait de sa gueule, Giroud, quand il disait il faut gagner parce qu'on gagne des points à l'UEFA et tout ça. Tout le monde disait ouais, on sait bien qu'il joue pour lui, il joue pour les points UEFA. Ouais, sauf que c'est sûr qu'il joue pour lui, ça c'est vrai, il joue pour Auxerre, mais c'était bon pour la France aussi. Donc dans la mesure où on a un socle d'idées communes, il faut en profiter. C'est toujours l'amateur et le professionnel, les clubs UEFA avec le football français, il faut que tout apporte pour le football français. Malheureusement, actuellement, on est dans une logique économique qui bouleverse beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que nous qui sommes confrontés à ces problèmes-là. Faut pas. Nous, on arrive en France parce que. Mais on se plaint maintenant. On a tous connu. Ben, vous êtes jeunes, vous n'avez pas connu les années 70. Hein. Moi, j'étais comme un fou quand Saint-Étienne battait parce que c'était le renouveau du football français. On se faisait taper par tout le monde. Hein. Faut pas non plus. On sait pertinemment qu'on remet tous les footballeurs français dans le championnat de France.
sera une autre musique. Hein. Voilà, donc il faut être. Bon, voilà. Mais par contre, effectivement, le dialogue doit peut-être donner des arguments différents. Aussi. Éviter la déprime. Voilà, la déprime. Bon, mais il était un peu déprimé. Ah oui, il était grave, quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu es un peu dépité, tu vois, parce que tu ne vois pas le.